Bienvenue les internotateurs orphelins, bienvenue les petites orphelines, bienvenue dans cette Trictrac télé un petit peu particulière. Je ne vous le cache pas, cette introduction vous aura certainement mis la puce à l'oreille puisque nous allons parler de tristesse, de croque-mitaine, de endangered orphan. Je ne le dis pas très bien Thomas. Non, si, c'était merveilleux. Tu me dirais comment toi? Oh, je dirais pire que ça même. Endangered Orphan, c'est un jeu de certifiable studio et vous allez peut-être avoir du mal à le trouver. Puisque Thomas nous l'a ramené, salutations Thomas d'ailleurs en passant. Salut Guillaume. Alors tu nous l'as ramené parce que tu fais du Kickstarter en folie. Ouais, c'est ça exactement. Et celui-là t'as craqué? Celui-là j'ai craqué. Il était beau? Il était magnifique, il est toujours magnifique d'ailleurs. Il t'a semblé jouable? Il m'a semblé approximativement jouable. Comme dans tout Kickstarter. Comme dans Kickstarter. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir éventuellement en parler dans la Trictrac télé puisque tu nous l'as ramené. Endangered Orphan of Condyle Cove, si on dit le titre en anglais complet. C'est un jeu de Jesse Lab, illustré par lui-même et effectivement assez magnifiquement illustré, en rappelant un petit peu Tim Burton, on peut le dire comme ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous a mis cette musique. Ouais. Certifiable studio, c'est l'éditeur 1 à 4 ou 2 à 3 en fonction de la version. On va en parler un petit peu à partir de 14 ans d'abandon et de 10 à 30 minutes d'errance dans ta face. La couverture en elle-même, tiens, je vous la mets claque comme ça en caméra déportée, est assez magnifique comme toutes ces illustrations présentes ici. Illustration donc faite par l'auteur. Ouais. Kickstarter et a priori pas de version retail, pas de version boutique. Pas de version, je crois pas avoir vu de version boutique, voilà. Donc ce sera éventuellement trouvable sur leur site. À eux, ouais, donc certifiable en tout studio. Cas chez les spécialistes américains. D'accord. En France, difficilement. Bah, peut-être Philibert qui parfois font des imports et tout, ou autres boutiques qui feraient de l'import. Hein. Mais sinon, difficilement trouvable. Ouais, je pense que ce sera compliqué. On va y jouer pour vous le présenter. Il y a différentes versions. Je mets la boîte dans le devant. Non, j'ai pas envie parce qu'elle est jolie. Tiens, je vais la laisser là. Voilà, exactement. Alors, le thème est un petit peu quand même, comment on dit, sinistre, glauque, triste. Burtonien, j'ai envie de Burtonien, te dire. Voilà, Burtonien, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, c'est ça, c'est essayer effectivement de sauver son orphelin du croque-mitaine et des autres orphelins, en fait. Hein, parce qu'on va tous se tirer un petit peu la bourre pour être celui qui va Il s'en ne sortir peut en le rester mieux. Qu'un. Il ne peut en rester qu'un. Ça aurait pu s'appeler Highlander. c'est un jeu très compétitif. Hein, c'est du pendant tes dents, disons-le, franchement. Alors que c'est des orphelins, c'est quand même dégueu. Ouais, c'est dégueu, mais. C'est dégueu. On vous laisse admirer un tout petit peu sur le plan large les illustrations. Comme vous allez le constater, il y a un certain nombre de choses qu'on ne trouve pas forcément dans la version. Bien même de base, parce qu'il y a des choses qui viennent du financement participatif. C'est ça. En l'occurrence, ça, c'est quatre fois la même chose, mais avec des illustrations différentes. Exactement. Alors, je crois d'ailleurs qu'il n'y en aura aucun des quatre tapis de souris là, ne sera disponible dans la version retail. C'était vraiment des add-ons. Des spécialités. Exactement. Et en fait, c'est des playmats qui permettent juste de poser des cartes. Donc ça, on pourrait le poser sur la table, c'est pareil. Voilà, exactement. Mais c'est plus joli comme ça. C'est plus joli comme ça. Bon, alors, ton préféré, tu as dit que c'était le chevalier. Ouais, moi, j'aime bien celui-là. Bon, allez, viens, prends le chevalier, je le fais pour toi. Bon, mon préféré, c'était lui. Parce que regardez, il y a un orphelin, il est tombé dans l'eau, il est tout mort. Et la petite fille, elle est triste. Alors, quel est l'objectif du jeu? C'est donc de sauver la vie de notre orphelin préféré, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, ça va être de sauver la vie. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être un plateau de jeu évolutif. Ouais. Le plateau de jeu, en fait, sera construit par des cartes qui sont ici présentes. Alors, dans la version Kickstarter, on peut même les trouver en français? On peut la trouver, il était proposé, il y avait un pledge qui était là, parce qu'il y a un petit travail sur le graphisme, la fonte de l'écriture qui est très très jolie. Donc, du coup, on va garder celles qui sont en anglais. Voilà, donc ça, ce sont les éléments appelés… La crique. Ouais, voilà, cove en anglais, qui va faire le plateau dans lequel on va se balader et essayer de se barrer. Et éviter le boogeyman. En sachant que, voilà, justement, au milieu, ce qui va donner, enfin, pas forcément le vrai milieu, mais en tout cas celle qui va démarrer. Bah, c'est le point central du début du jeu, en tout cas. Hein. C'est la maison du croque-mitaine. Voilà, on va montrer ça sur la mise en place juste après. Mais effectivement, le Kiddy Corner, c'est la maison du croque-mitaine, est effectivement située au milieu du plateau. Et donc, on va créer une croix autour de ce Kiddy Corner, composé de quatre autres lieux. Mais Kiddy Corner sera a priori quand même, somme toute, un lieu central du jeu. Il va s'y passer des choses pas très très cool. Il va
On a une version solo, mais on ne jouera pas avec. Hein, on est bien d'accord, puisqu'on va y jouer à plusieurs. À la base, le jeu est pour combien de joueurs? Alors, à la base, la version vraiment de base, c'est 2-3. 2 ou 3. 2 ou 3 joueurs. D'accord. Et avec le Kickstarter, il y a eu plusieurs. Alors, à la base, c'était vraiment un jeu. Il y avait le jeu de base avec qui s'appelle Under Jordan Fans Combine Cove. Ouais. Combine Cove. Il y a eu en plus dans le Kickstarter donc la version solo. Ouais. Il y a eu la version 4 joueurs. Okay. Donc c'est des cartes en plus. Okay. Et il y a eu 2 extensions qui ont été débloquées, qui sont Last Winter, donc le dernier hiver. Et le fantôme de Benny Harris, son fantôme qui est représenté par cette merveilleuse figurine. Grande figurine. Voilà. Oh pardon, Germain, j'avais pas vu. Excuse-moi. Attends, je reviens. Le voilà. Notre ami Harris, le fantôme qui se balade. En plus du croque-mitaine, hein, attention, hein, c'est pas la même chose. D'accord. Et nous, là, on va en faire une partie, mais de base. Alors, on va faire une partie de base dans un premier temps. Si on a éventuellement l'envie et le temps d'en faire une deuxième, on en fera éventuellement avec le dernier hiver. Ok. L'autre, je ne l'ai pas assez bûché pour qu'on la fasse. Donc, puis en plus, il y a besoin d'une bonne son. Donc, ça ne va pas forcément être commode pour l'interlocuteur. Ça roule. On se saisit d'un petit tapis de jeu. Il y en a plusieurs. C'est pareil. Est-ce que tu sais si c'est la version… Ceux-là, ils sont dans la version de base, de retail. Oui, c'est pareil. On est tout à fait dans l'ambiance. Hein. C'est joli et en même temps, tu ne trouves pas ça super joyeux. Bon. C'est très humour noir. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, toute leur campagne Kickstarter était sur ce thème-là. Et c'était d'ailleurs une campagne qui était merveilleuse au niveau de l'ambiance et des updates. Ils mettaient beaucoup, beaucoup d'humour noir. Tu parlais des anti-stretch goals, entre autres. Ah, les anti-stretch goals, où ils se moquaient du système même qu'ils avaient utilisé. Exactement, où ils proposaient du coup de l'air du Mississippi qui sera présent dans la boîte, qui est effectivement présent dans la boîte, ça pue un peu dans la boîte. C'est le Mississippi. C'est le Mississippi. Ils ont rempli la boîte avec de l'air et c'était un stretch goal. Ouais. Donc, ils pouvaient fournir aussi des élastiques pour ils expliquaient un petit peu toutes les fonctions de l'élastique, donc d'accrocher les cartes entre elles, voilà. De se taper et tout. Non, donc leur campagne était vraiment très très drôle et je sais qu'ils ont fait là, je crois qu'ils viennent de terminer une autre campagne qui s'appelait Who Goes There, basée sur The Thing. Ouais. Il me semble que c'était mené un petit peu sur le même genre d'état d'esprit. Humour décalé. Ouais, ouais, ils sont tout à fait comme ça et d'ailleurs il suffit de regarder leurs vidéos pour s'en rendre compte. Ouais. Écoute, je vais prendre le petit orphelin à lunettes, si tu veux bien, parce qu'on ne frappe pas sur l'orphelin à lunettes, parce que justement, il a des lunettes, alors, s'il te plaît. Sauf si on lui demande d'enlever ses lunettes avant. Oui, mais ça, je ne le ferai pas, je ne sais pas quoi non plus. Donc, je vais essayer de sauver cet orphelin. Ouais. Vas-y, prends celui que tu veux. Je vais prendre celui avec la petite capuche, là. Allez, à la celui-ci. Capuche. Allez, ça, c'est bien. Ça marche, on va mettre celui-là sur le côté pour le moment. Et puis… Voilà, toc, la boîte, histoire de dire. Alors, comment ça se passe? Le joueur le plus jeune commence, donc a priori, c'est moi, il me semble. Oui, c'est joue. De toute façon, ne me demande pas mon âge et puis joue, c'est tout. Tu es le plus jeune, voilà, c'est bien. Tu es content de toi. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, donc, le Kiddy Corner va être… central au départ. Voilà, c'est central, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et ensuite, je vais prendre du coup, parce que je suis le premier joueur et le plus jeune et le plus petit, le cadet des orphelins, les 4 premières cartes et les mettre en croix autour du Kiddy Corner. Ok. Bien sûr, chacune de ces cartes a une illustration et un texte qui lui est propre. Exactement, un petit pouvoir en fait qui est présent sur chaque lieu, ouais. Plutôt positif, c'est plutôt du bonus. D'accord, donc c'est bien d'y aller. C'est bien d'y aller, okay. Alors, sachant que les cartes qu'on va se prendre dans la face, généralement, ciblent un lieu. D'accord. Enfin, on va expliquer ça un petit peu plus avant. Et nous, on va essayer de se barrer d'ici. On a plusieurs options et ça va d'ailleurs être notre vie. Parce que quand on aura plus d'options, c'est l'impasse, c'est mort. Voilà, okay. Et c'est fini. Donc, le but du jeu est d'être le dernier vivant, on est bien d'accord. Exactement. Okay. Alors, donc pour perdre le jeu, okay. il ne faut plus avoir de carte option dans son deck option. Option deck. If there is nothing here for your draw phase, you're finished. Voilà. S'il n'y a plus rien là, t'as perdu. La deuxième façon de perdre, c'est qu'en fait, ici, à cet endroit-là… Donc, sur le plateau qui n'en est pas vraiment un, puisque il n'y a pas besoin. On va mettre… Qui n'en est pas vraiment un. 6 cartes actes de désespoir. Ok. Dont une qui est le boogeyman, le croque-mitaine. Yes. Et donc, si on tombe sur cette carte, c'est fini. Donc, à deux, ça veut dire que l'autre a gagné.
En gros, c'est ça. Alors, quand est-ce qu'on le chope, le croque-mitaine? C'est dans le Kiddie Corner? Alors, oui. Ah bah oui, bah quand oui, on est présent sur le Kiddie Corner, en fait, au début de notre tour, donc okay. notre prochain tour, en gros, on doit tirer une carte acte de désespoir et donc réaliser son action ou… C'est pas cool. Alors, si, elles sont généralement plutôt cool. Les cinq actions qui vont bien sont cool. Il y en a une qui n'est pas bien. Il y en a une qui fait perdre le jeu automatiquement. Mmh. Mmh. Les pauvres. Donc là, on va se distribuer. Combien? Alors, on sépare le paquet en deux. Ah, d'accord. Ouais, mais correctement. Il n'y en a pas un qui en a plus que l'autre. Non, correctement. Ouais. Tricheur. Tiens, on voit la 10. Moi, j'en ai pris 29. Ah, ouais, d'accord. À chaque fois, quel que soit le nombre de joueurs, il y a toutes les cartes options. Elles sont juste séparées entre le nombre de joueurs. C'est exactement ça. Ok. Et si c'est un pair? C'est pas grave. C'est comme ça. C'est la vie et c'est injuste. C'est la vie et c'est injuste. Exactement. C'est exactement le pitch du jeu. C'est injuste. Fais gaffe à ce que tu fais parce que si c'est injuste chez toi, ça me va mieux quand même. J'en doute pas un instant. Ça va. J'en ai une de plus. Une de plus. Même pas parce que j'ai commencé par toi. Ah oui, donc c'est bon. Ouais, tout va bien. Il y en a 38. Ok. Donc, la première chose qu'on va faire pour finir la mise en place, c'est qu'on va prendre nos orphelins et les placer sur le lieu de notre choix, sachant qu'on peut se placer sur n'importe quel lieu, enfin, on peut se placer sur le même lieu que notre copain. Que notre copain, notre camarade. Moi, je vais aller dans la colline. Je t'ai pas laissé le choix, mais… C'est pas grave, je peux y aller aussi. Donc, ouais, vas-y, viens. Non, moi, je vais aller sur l'Ali. Ok. Alors, donc pour expliquer que chaque lieu a son petit pouvoir, typiquement les collines, là, Guillaume, en l'occurrence, je ne vais pas pouvoir lui piquer de carte de son deck option. Ok. Et moi, dans l'allée, Guillaume ne pourra pas me voler de carte de ma main. Ouais. Pour l'instant, tu n'en as pas de toute façon. Pour l'instant, j'en ai volé. Pas. Ensuite, on démarre avec combien de cartes options? Alors, on démarre avec deux cartes options. Ok. Du. Bon, là, Thomas, il les regarde parce qu'il triche. Non, je ne les regarde pas. Voilà, elles ont toutes une illustration et c'est ça qui fait partie du jeu aussi, très joli. Heureusement que c'est très moche. Et puis, oui, c'est vrai. Et un petit texte, histoire d'en faire foutre plein les dents, ou pas. À nos adversaires. Alors, okay. Un tour de jeu, ça se passe comment? Donc, un tour de jeu se déroule en trois phases. La première phase va être de se déplacer. Alors, il y a deux phases qui sont optionnelles et une phase qui est obligatoire. En l'occurrence, la première phase, c'est de se déplacer. Arrête de me regarder comme ça. Si non, mais je découvre les règles. Toi, le Bogeyman. Vas-y. Donc, c'est se déplacer. Alors, se déplacer, on a le droit de bouger de 0, 1 ou 2 cases. Okay. On a le droit de faire des allers-retours. Oui. C'est une étape optionnelle. On n'est pas obligé de se déplacer. Si on veut rester là où on est, on reste là où on est. Voilà. Okay. La deuxième phase de jeu, c'est le jeu, c'est de jouer les cartes. Donc, on joue les cartes en main. Il n'y a pas de limite. Ils vont dans la défausse, pas de limite. Vont dans la défausse. Je joue autant que je veux. Tu joues tant que tu peux, tant que tu veux. Okay. Sachant qu'il y a des cartes qui vont nous pénaliser aussi nous-mêmes. Enfin, si jamais on les joue au bon moment, un peu de timing. Voilà. Okay. Sachant qu'il faudra toujours garder une chose en tête. Alors, le jeu, jouer les cartes, c'est optionnel aussi. On n'est pas obligé de jouer les cartes. Si on ne veut pas jouer de cartes, on ne joue pas de cartes. Il faut juste garder une chose à l'esprit, c'est la troisième phase qui, va être obligatoire. Qui va être de piocher. C'est de piocher deux cartes. Alors, deux cartes de notre deck option. Ouais. Ou, tant qu'il y a des cartes cric disponibles. Il en reste quelques-unes. Des cartes de lieu. Des cartes terrain. On a le droit de piocher une carte cric à la place d'une carte option. Ok. Ça marche. C'est toi qui joues en premier? C'est moi le plus jeune. Oui, c'est vrai, t'as raison. Vas-y. Montre-moi le chemin. Je vais te montrer le chemin. Je vais pas bouger. D'accord. Dommage. Je vais pas bouger. Si j'avais lu mon jeu, je me serais mis ailleurs. Mais c'est pas grave, Guillaume. C'est pour ça qu'on place ces orphelins avant d'avoir regardé les cartes. Ouais, parce que sinon, trop de chance. Et donc, je vais piocher du coup. Ça, c'est ma phase obligatoire. Donc, je pioche une carte ici. Et puis forcément. Et forcément, pour étendre un petit peu. Condition de placement ou pas? Alors, condition de placement, oui. Typiquement, on ne doit pas placer une carte à un endroit où elle va avoir de bord adjacent à deux autres cartes. Par contre, un seul bord adjacent. Voilà. Ok. À l'exception du Kiddie Corner qui en a déjà 4 dès le départ, mais exactement. C'est un peu spécial. Voilà. Ok. Et donc je la place ici. Open field. C'est à moi? Tout à fait. Tu as pioché, oui, puisque tu as fini par ça. Ouais. Je peux bouger de 2, tu as dit. Ok. Alors je vais prendre mon orphelin, il va quitter la colline, il va passer aux alentours du Kiddie Corner, mais sans s'y arrêter, et il va aller sur la beach, une amie à moi. Et donc les cartes défensives n'ont pas d'effet sur moi. Ouais, c'est d'accord? Ça. Exactement. Et puis je vais jouer un Away from Danger. Si je suis sur la plage ou dans la crique, je peux voler une carte d'un autre joueur dans sa main
Mais tu peux pas prendre de, tu peux pas prendre une carte de ma main. Mais c'est parce que je savais pas que tu étais sur. Tu vois, j'ai même pas fait attention parce que tu vois, je t'ai prêt présenté à. les cartes. Allez. Vas-y, tape-moi dessus. C'est dégueu, j'avais pas vu. Et je découvre la ville. À votre début de tour, vous pouvez regarder la première carte d'un autre option deck d'un joueur. Je vais la faire descendre. Je vais la faire descendre là, juste en dessous de la plage. Donc là, c'est le plateau évolutif. Et j'ai pioché mes deux cartes, c'est à toi. Alors, Sors vite du boulevard, là, parce que ça ne va pas le faire. je vais aller Bien. sur les collines. Très bien. Bravo. Je vais aller sur les collines. Partout, tu vas t'en prendre plein les dents. Je vais te bouffer. Ça, c'était mon action. Je vais jouer une carte qui s'appelle Leave This Place, quitte cet endroit. Ouais, Et donc, je ok. peux bouger n'importe quelle figurine de deux espaces. Ok. D'accord? Et donc, je vais te mettre là, Comme toi. comme moi, parce que comme D'accord. ça, je sais que j'ai moins de risques pour que tu. Quoi C'est que tu joues ça. après, te Ouais, je déplacer, joue donc après, tant ça ne pis. change pas. Laisse tomber. J'ai cru que tu allais me mettre sur le Kiddy Corner, mais il était qu'à 1. T'as le droit, ça? Non, two spaces, donc C'est de deux obligé. endroits. Mais tu sais que tu peux faire des allers-retours. Tu peux pas me mettre sur Alors, le Kiddy Corner. sur ta copine. Allez, on va te mettre là. C'est à moi? Ah non, t'as pas Non, j'ai pioché. pas pioché encore. J'ai pas pioché et je vais peut-être faire une autre action. Il n'y a plus beaucoup de cartes citées au Non, ça va classement, vite, location. il n'y en a pas beaucoup. Oui, donc après, Je on vais tape jouer un dans le deck. détour. Un détour. Ah Ouais. tiens. Je vais jouer un détour. Et Donc le alors, le détour, carte détour, spéciale une carte qui. spéciale, qui est en fait une carte qui s'est caméléonisée, Oui, parce que c'est un lieu, puisque c'est un lieu, mais dans notre mais option. dans nos options, et donc qui nous permet bah, typiquement, moi, je vais choisir la ville, et donc je remplace la carte ville, et la carte ville, je la mets là où je veux. D'accord. Donc ici, par exemple. Là maintenant, c'est à moi, je dois piocher, donc je vais prendre une option Et puis un nouveau lieu. et un nouveau lieu. Ok, tu vas mourir. Ah, c'est dommage qu'elle ne fût pas là au tour précédent. Alors le cimetière qui dit que C'est bon. si un joueur atterrit sur ce lieu, il doit immédiatement se défausser d'une carte. Ah, ça sent les. Tiens, prends ça dans tes dents aussi. Alors, c'est à moi. Est-ce que je me déplace? Non, je suis très bien là. Alors, c'est parti. Je joue un warning. Je peux bouger n'importe quel pion de trois espaces. Vas-y. 1, 2, 3. T'es chez le gros boogeyman. Ouais, alors donc ce sera au début de mon tour. Ouais, tout à fait. Tu vas prendre cher peut-être. Et puis si je suis sur l'autoroute, je peux voler deux cartes dans la main d'un joueur et les placer dans la mienne. Hop là, merci. Et alors donc, je peux maintenant. T'es pas content? T'aimes pas ça? Tu rentres comment? À pied. De toute façon, à pied. Eh bien, je vais piocher une carte et puis je vais aller placer un nouveau lieu. Là, la crique. Eh bien, tiens, je vais la placer juste en dessous du lieu de désolation, du carnaval des captivating curiosities. C'est à toi. Alors, donc la première action que je dois faire, donc du coup, c'est de prendre Un un acte de acte de désespoir. désespoir en espérant ne pas tomber T'as une chance sur sur. 6, j'ai gagné. Oh, T'as purée. gagné? Non, c'est bon. Ah, je vais te Non, bon, rater. éventuellement j'aurais perdu, Oui, mais. t'aurais perdu, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, tous les joueurs mélangent le top 6 cartes de leur défausse Ouais. et les remettent dans leur deck option. Moi, j'en ai deux seulement. Bah, tu remélanges ton deck option avec cette carte-là. Et Et moi toi, aussi, t'en j'en ai qu'une. as qu'une? Moi, celle que tu m'as piquée. Je sais, Ouais. c'est bien. Ouais. Je suis bien parti. Ça, c'est parce que les orphelins avaient un plan d'évasion. Alors, donc maintenant, je fais mon tour. Donc, je bouge de deux spots. T'as pas de carte? J'ai pas de carte, donc je peux pas jouer. Oh Alors, mince alors. en revanche, je vais jouer une Ouais, carte c'est la dernière. qui est la dernière. Alors là, tu peux la mettre ici, Je par peux exemple. même la mettre là. Ah ouais, c'est ça. Et la deuxième carte, comme me l'indique le lieu, Ah, je t'es peux pas la obligé de la. prendre chez toi. Ah, d'accord. Ah, il est bien l'open field aussi. Ok, c'est à moi. Je vais me déplacer deux. Je suis dans la colline. Ouais. Je vais jouer une peur absolue. Tous ceux qui ne sont pas dans la colline défaussent deux cartes de leur option de deck. Ah, c'est de mon option deck. Ouais.
T'en perds Alors, 2. quand on défausse, alors il y a une différence entre jouer une carte et défausser une carte au niveau D'accord, du wording. du wording. Quand on joue une carte, on la joue comme tu l'as fait là, donc Face visible. ouverte, face visible. Quand on défausse une carte, Face cachée. C'est face cachée pour On pas que sait tu saches ce pas. qu'il y a et que On moi non sait plus je ne pas. sache ce qu'il y a. Ensuite, si, si, si. Ça, je m'en fiche. Je vais jouer un petit détour. Je vais jouer un petit détour à la place du cimetière. Tiens. Alors, il y a juste un petit truc que je n'ai pas précisé sur le détour. Le détour, tu ne peux remplacer qu'une carte inoccupée. Oui. Ça, Oui, parce que l'autre, il n'est pas perdu. Le cimetière qui se trouve. Tiens, le cimetière est pas loin de chez salut toi. go. Et puis, ben là, je suis obligé de piocher deux cartes d'ici, puisqu'il n'y a plus de cartes. Ouais, c'est ça. Oh, po, tu vas prendre cher. Alors, c'est des orphelins, mais à la fin, vous n'avez plus d'amis. Non, même au début d'ailleurs, ça va assez vite. Ok. Je vais te le croquer. Je ne vais pas bouger. Ouais. Je ne vais pas bouger, je suis bien là. Et je vais jouer ça, donc le Scarecrow, pardon, c'est l'épouvantail. Et donc, il me permet de bouger un autre joueur Ça, c'est pas de gentil. 2 ou 4 espace, Ouais. à moins qu'il ne soit sur une carte détour, C'est pas le ce cas. qui n'est pas le cas. Donc Donc, je tu vais peux te bouger de bouger de 2 à 2 4. ou 4. Ou 4. Oh, bah oui. Oh, bah oui. Oh là 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 là. Il faut que je défausse une carte de ma main ou. Non, bah ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Elle est où l'autre tâchon? Ah bah c'est celle-là, tiens, voilà, défaussée. Ok. Ok, donc phase Pioche. de pioche, donc j'en prends Non, hé hey! une Ah oui, chez c'est vrai, t'as toi pris une pioche. Ah la vache, et une chez moi. enfoiré. Enfoiré! C'est à moi. Est-ce que je me déplace? Oui. Attends, est-ce que je me déplace tout de suite? Bah, je vais déjà. Non, je vais déjà faire ça. Je vais me déplacer. Non, 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 non. Ah, messieurs, mais je ne peux pas faire en deux temps. Les cartes, c'est après le déplacement. Ouais, faut que tu fasses ton déplacement avant de jouer tes Ah. cartes. Eh bien, je vais pas bouger. Donc, je vais jouer directement Exhausted. Si tu es sur l'open field ou le highway, tu dois défausser 4 cartes de option de deck. Prends ça dans les miches. 1, 2, 3, 4 et bim. Ouh, t'es fatigué, mais arrête-toi. J'ai plus Arrête-toi. Arrête-toi, enfin, d'échappatoire. t'as plus d'options. Laisse tomber. Et puis, eh ben, je suis obligé de piocher deux cartes. Hein. Et par contre, ouais, toi, tu es dans l'open field et tu pioches chez moi, enfoiré. Bah, ça pouvait pas être merveilleux tout le temps quand même. L'histoire est triste, surtout pour toi. Ok, tu vas en prendre plein le tour d'après aussi. Je vais aller ici. Je vais aller Ah, dans le dommage. bois. Ouais. Dommage. Reviens quand tu J'ai veux dans senti le l'open coup de field. pute qui arrivait. Reviens quand tu veux dans l'open field. Dans le champ ouvert. Dans le terrain vague. Dans le terrain vague. Tu peux aussi. Tu peux aussi. Reviens. Tu peux. Et donc je vais piocher deux cartes chez moi du coup parce que je suis parti Allez. de. C'est à moi? Oui. Je vais me déplacer de 2. 1, 2. Je vis avec toi dans le bois. Ouais, je sais ce qui peut se passer là-dedans. Alors, je vais commencer par jouer out of reach. Donc, je suis hors d'atteinte. Si je suis dans le bois, je peux remélanger les 4 premières cartes de ma défausse dans mon option deck. Donc, 1, 2, 3, 4. Je les remets dans le bon sens. C'est mieux. OK. Ah! J'ai fait une petite numéro d'un arbre, c'était super cool. Je suis mal embarqué quand Ouais, parce qu'en fait, du coup, même. t'es pas du tout mon pote. Donc si on est au même endroit, je te vole trois cartes dans ta main. Un, deux, trois. Et j'en pioche deux. Je vais ce jeu. Il y a une carte, une limite de carte en main ou pas? Ah oui, tout à fait. Alors, regarde pas tes cartes. Comme je le disais, il faut que tu fasses attention au fait que tu es limité à 4 cartes en main Ouais. et que tu peux pas défausser a posteriori des cartes. Il faut que tu aies
Donc, du coup, que deux cartes en main au moment où tu vas faire ta défausse. Donc, il faut que tu joues tes cartes, ah même oui, d'accord, si ça je peux pas t'arrange dire. pas. Ah oui, ah ok, ça y est. Ah, ça c'est moins drôle. D'accord, ok. Il faut que Et j'en joue. il y en a qui potentiellement vont pas t'arranger. Attends. Ok, move. Bah non. Ah mais en fait j'aurais pas dû faire ça alors. Parce que je t'envole trop. C'est ça? Bah du coup, ouais, alors ça m'épuise quand même fortement ce que tu m'as fait. Bah oui, mais là si je peux pas les jouer, j'ai perdu. Ah non, tu peux les jouer, après il va rien se passer potentiellement, mais tu vas les jouer. D'accord, ok. Move all players in a town ou voler deux cartes de leur option deck. Ouais, mais c'est ville ou aller. Donc là, laisse tomber. Elle est là. Ça, c'est bien, ça. Ça aussi. Bon, allez, je vais dégager ces deux-là pour pouvoir en piocher deux. Oui, c'est ça, je suis obligé d'en piocher deux parce qu'il y a toujours quatre cartes maximum en main. Ok, c'est bon. À toi. Bon. Tu sens le destin? Ouais, le destin qui s'acharne. C'est pas une branche en bois, hein, c'est le destin. Alors, vu que je ne peux plus. Enfin, voilà, je vais éviter de me faire chourer les cartes de mes options. Donc, je vais jouer ça qui me permet de bouger n'importe quelle figurine de deux espaces. Et tu me remets dans le Je te cimetière. remets au cimetière. Bon, il faut que je me défausse d'une carte. Et je pioche. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, je peux le garder. Ça, je vais le défendre. Allez, hop, terreur absolue. C'est à moi de jouer. Je vais me déplacer. Open field. Si je suis dans un open field, je peux voler trois cartes d'un option deck et Non, les placer dans le mien. non. Pourquoi non? Regarde là où je suis. Chiotte. C'est pas réponse ça, hein, au passage. Ok. Donc je vais bouger un pion de trois espaces. Voilà. 1, 2, 3. Ok. D'accord? Et tous ceux qui sont dans l'open field ou l'autoroute doivent défausser quatre cartes de l'option deck. Toi inclus. Donc moi inclus. Donc t'en défausses 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Et moi j'en défausse 4. On est d'accord? On est Puis d'accord. comme je suis là, je peux en piocher une chez toi? Non. Ah oui, si. Si. Oui, si, pardon. Oh, dis donc! Il va falloir Ouais, vite qu'il se passe un truc, bah. hein! Ouais, c'est ça. Hein. Pom, 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 pom. Mon orphelin à lunettes, eh ben, je te l'avais dit de toute façon. Ouais. Bah, voilà, hein, quoi. Donc, je vais aller là, même si Qui ça dit sert à corner? Bah rien. oui, on sait jamais, tu peux peut-être. Ah non, même Bah, pas! non, bah, c'est au tour. C'est au tour d'avant. Ouais. Ah, il fallait y aller plus tôt, Il hein. aurait fallu y aller plus tôt. Donc, toi, t'es où? Moi, je suis dans l'open field. Ouais. C'est vraiment injuste comme jeu. C'est vraiment injuste comme jeu. C'est Je vraiment. le déteste. Mais il est beau. Mais il est beau. Et ben voilà, comme quoi ça peut être aussi Non, une bah raison écoute, d'achat. je vais faire ça juste pour le plaisir de te faire jouer un peu. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. T'as perdu? J'ai perdu. J'ai perdu parce que, alors Wouhou! j'ai perdu parce que je peux pas Parce que piocher tu de peux pas carte. piocher et donc Voilà. du coup t'as fini. Moi, mon orphelin, il s'est pas fait bouffer par le croque-mitaine C'est alors que ça. toi, oui. Moi, je t'ai gagné, ouais, tralala. C'est vraiment cruel, hein. C'est trop cruel. C'est deux orphelins. Bon, et ben vous savez quoi? Histoire de voir ce que cette boîte a dans le ventre, parce qu'il y a une version solo, on va pas y jouer en solo. Par contre, il y a deux extensions, dont l'extension Winter quelque chose, Dernier le dernier hiver. hiver. On s'essaye? On se l'essaye. Ou ouais, peut-être pas tout de suite dans la vidéo. Après? C'est un échec, ou plus tard. Better plan to catch this big red lobster man. Let's pop him in a boiling pot, and when he's done with